Nous sommes en live, si OBS le veut bien. Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour ce nouveau live dédié à Tomb Raider 2013. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Avant de commencer, on va bien sûr saluer toutes les personnes qui ont fait le déplacement sur Twitch en ce dimanche. Nous avons XXRoxor42, Frank0410, Nox, Android Gamer OMG, qui d'autre, Brian Boucher, The Black Nig, Wawan Gaming, Frank0410, Double Caro, Kiki Gaming, et je crois que nous avons également Scorpio de LOL, voilà. Plus toutes celles et ceux qui sont dans le chat et qui ne parlent pas ou qui arriveront en cours de live. Et je remarque que le fond vert me fait bien glitcher. Merci la lumière du jour, espèce de pimpon, va. Bon, alors on va reprendre où on en était. Donc on était au bidonville la dernière fois, si je ne dis pas de bêtises. C'est parti, donc on en était à 38% du jeu terminé. Alors. Ah, j'ai dit ton nom, The Black Nick. J'ai pas dit debout, mais j'ai dit ton nom, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, avant que j'oublie, mesdames et messieurs, les gens, il faudrait que je vous demande votre avis sur quelque chose. En fait, par rapport à la chaîne, il y a. En fin de semaine prochaine, d'ici samedi, on aura terminé la rediffusion d'Half-Life 2 à l'épisode 21. Et. Pendant, je pense, 2-3 semaines, je ne pense ne pas rediffuser de stream parce que j'estime ne pas avoir assez de matière pour. Du coup, je vais vous demander, est-ce que ça vous dérange si pendant 2 semaines, voire 3, je vous mets 5 épisodes de Metroid en série secondaire au lieu des 3 habituels? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dois aller... Oh, point d'intérêt révélé sur la carte. Oh, attends, on a des trucs, un document pas longtemps. Ça veut dire que je... Non, ça veut dire que je les ai reçus probablement. Oh, il y a un truc ici, une géocache. Oui, en plus, je l'ai pas la géocache. Voilà, c'est juste pour éviter qu'on ait des moments un peu morts sur la chaîne. Et puis comme ça, ça nous permettrait de bien étraîner les nouveaux horaires. C'est comme vous le sentez. Moi, je sonde justement pour avoir un ressenti général. Ça a l'air d'être un oui pour l'instant. Bah écoutez, on peut partir là-dessus. Moi ça me dérange absolument pas. Il serait là-dedans la géocache. Hop. Donc je repars quand même d'où je suis venu, c'est génial. Puis surtout accessoirement ça nous permettrait d'avancer un petit peu plus vite dans ce jeu parce que j'ai l'impression qu'on avance un peu à tâtons mine de rien. La géocache elle serait... Ah peut-être au-dessus. Ouais je dois pouvoir grimper ici. Voyons voir, ici un truc qui... Ah bah, ici non, peut-être. Géocache, où te caches-tu? Ouais, je... Oh! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Brian, exactement? J'espère que c'était pas trop grave. Oui, qu'est-ce qui se passe, The Black Nick, dis-moi. Eh oui, je suis au courant que le fond vert me fait un petit peu glitcher. Hein. Enfin bon, j'ai envie de dire, tant que tu es là parmi nous, c'est que ça devait pas être trop grave, mais bon... Ah, ici. Ok, on a les caches du jeu en ville. Au pire, si jamais vous trouvez que le fond vert me fait trop glitcher, dites-le moi, je ferme les volets, je mets l'éclairage entre guillemets artificiel pour espérer, pour éviter que de trop glitcher. Vous dites-moi hein, si jamais vous trouvez que c'est... Bon, par contre, je vais où moi? C'est juste que j'ai un point d'objectif. Ah ok, le point d'objectif est par là-bas. Ça glitche beaucoup trop? Ok, si les autres vous pensez pareil, je vais aller chercher mon lampadaire et faire ma petite manip pour que ça glitche moins. Pourquoi j'avance la série principale à 16h? En fait, c'est très simple. J'avais demandé au dernier... Oh! Merci pour l'abonnement, moi, Blaz, je fête mon 4 mois anniversaire, accent circonflexe. Le text-to-speech, il y a accent circonflexe, tout va bien. Ok, bon. Je reviens, je vais aller mettre l'éclairage pour théoriquement moins glitcher. Accordez-moi 2 petites minutes. Voilà, ça devrait... Ouais, c'est bon, ça devrait être mieux avec ça. Bon, il y a toujours les petits glitches dus à l'éclairage, mais au moins, j'ai pas l'air d'être un fantôme passé les épaules. Là, ça devrait pas être trop mal. Voilà, là on est mieux. Ah, on est mieux. Ah oui, carrément, nouveau cœur, Brian, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Enfin bon, le principal, comme j'ai dit, c'est que tu es toujours parmi nous. C'est le plus important.
Un nuage de blanc, oui, ça c'est l'éclairage, ça. Ok. Ta gueule. Couché. Eh, monsieur, c'est moi babouliné. Oh, le salopard. Attends. Oh, non. Couché. Wow. Ok. Je sais plus quoi. Ah, il s'est suicidé, ce con. Merde. Vas-y, approche-toi, ma grosse. Couché. Oh. Filé, il est là-bas. Ah merde, j'en ai un sur les. Couché. On change d'arme. Couché, toi aussi. Oh god. Je suis un babou en 8 bits, lol. Oh god. Que je leur dise, tiens. Ah oui, ça marche aussi, tiens. C'est à moi. Voilà, parfait. Dans le jeu, apparemment, il disait 38% terminé. On en est un peu moins de la moitié. Eh, montre pas ton pixel, garçon. Non, encore un. Qui il est? Là. Oh god. Touché. Oh punaise. Non. Non, vas-y ta maman. Je vais tester le 100%, ouais, je vais... Parce qu'en plus, il y a des... Il y a moyen de savoir où sont les trucs sur la carte, donc je vais peut-être pas me gêner. Non. Allez, amenez-vous, t'as de boulet. Oh, bonjour monsieur, comment allez-vous? Là. Aussi, tiens, ta maman. Ta maman. Ok. Allez. Donne-moi des munitions. Okay, là. Hop. D'autres amateurs? Ah non, c'est fini. On loot. J'aime looter. Et moi, j'aime les loots. Donne-moi des matériaux. J'avoue que l'arc, c'est pas piqué des hannetons comme oui, bah laisse-moi looter, monsieur le jeu, laisse-moi looter. Les gens, ils ont des trucs qui peuvent m'intéresser. Parce que tu vois, si t'arrives, tu fais comme le pingouin, tu fais loot. Lara, c'est Cartman qui empêche les Mexicains de passer, oh god. Voilà. Non, c'est ça que je voulais, voilà, on ramasse. On est pas mal. Quelque chose de marqué sur la map? Non, bon, on va suivre l'objectif dans ce cas. Alors, ouais, je me doute qu'il fallait activer cette espèce de machin. Allez, hop. Et hey, yo, Zenkichi! Comment ça va-tu donc, Tess? C'est bloqué. Ah, attends, bah oui, c'est... Eh bah oui, mais tu vois, j'avais remarqué. Mais au moment, tu me l'as dit à ce moment-là, quoi. Oui. Ah, attends, non. Je peux pas grimper là-dessus? Attends, je sais, j'ai le type de flèche que je peux changer. Comment je change de flèche déjà? Comment je change de flèche? Ah, voilà. Voilà. C'est mieux. On regarde des flèches normales. Et maintenant, on peut ouvrir cette pimponnerie. Oh, pas de problème, Brian, si t'as besoin de te reposer, vas-y, hein, on t'inquiète pas. Fais tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. C'est le plus important. Ah. Infiltrer le palais. Bon, de toute façon, avec 155 matériaux, je dois pas pouvoir faire des masses de grand chose. Faut quand même regarder. Ouais. Ouais, 325, 400.
350, 350, 250. Ah, ça marche Roxor. Donne pas trop de détails quand même, hein, parce que bon. Bon, au moins on a ce qu'il faut. Allez, on continue. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah bah j'allais le dire. Je peux leur tataner le pimpon. Attends, je pourrais limite. Non. Non, je pensais qu'il y avait un truc là. Par là. Non, je croyais que ça bougeait pas sur là et je me suis dit qu'est-ce qui se passe encore, mais non. Ah, c'est juste le Twitch qui fait. Oh! Comment il peut vivre comme ça? Oh bah ça je sais pas. Hein. Oh mon dieu, c'est Grim. Oh, on attend un nouveau point d'intérêt. Oh, il y a une géocache pas très loin. Non, je l'ai pas, réseau de Tomb Raider, mais j'ai bien l'intention de me le prendre. Parce qu'il a l'air quand même de pas mal. S'il est comme celui-là, il risque de pas mal défroyer du pain pour moi, mine de rien. Dans la géocache, je suis dessus. Je peux avoir la géocache, s'il vous plaît? Oh, attends, deux secondes, il y a une géocache, bro. Là-haut? Grim! Non? Tu t'es échappé! Débat peut-on rire de tout? Moi je dis oui, mais tout le monde ne dira pas forcément cette réponse. Ne dira pas forcément ça, The Black Nig. Ah non, bah je veux pas buter les gens, je veux looter. Dire les gens, ils ont des trucs sur eux, je veux les récupérer. De toute façon, ils sont morts, ils en auront pas besoin. Ah lui tiens, l'échelle là, dis donc. Écoute, tu me laisses looter, monsieur. Oh, j'ai plus d'échelle. Mais ouais, tout à fait, donc c'est le sens des priorités. Vas-y, j'ai une géocache, bro. Attends, là. Coucher. Coucher. Bah, encore un, non? Coucher. Eh, hey, je te vois, poteau. Eh, allez, vas-y, 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 monte ton... Allez, monte ton pixel. Toi là-haut. Bouge. Bah, c'est surtout que je sais ce qui... Putain. Ouais, allez-y, butez-la, butez leur face. Bon. Coucher. Coucher. Ici toi. Voilà. Aussi. Aussi. Putain mais arrête de bouger. Wow 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 wow. Arrête de bouger, faut juste te mettre une flèche dans le fion toi. Voilà. Boum. D'autres amateurs? Eh c'est ça, monte pas ton. Il faut utiliser. Ah bah oui, vu que c'est toujours fin du, c'est toujours les restes de l'arbre pour faire des lasagnes, c'est vrai. Oh. Non, bouge, bouge. Au moins un quelque part. Ah, attends. Yes. Ok. Ils les ont suicidés. Ils voulaient me suicider. Et eux aussi. Eh, 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 mon pixel, garçon. Couché. Putain, mais y en a combien? Eh, hey, yo, Outlife. Il y en a combien encore? Ok. Lara, t'es vivant. Si on peut dire. Où sont les autres? Ils sont enfermés à l'intérieur. Mais chez où? Moi aussi. Et on ira les chercher ensemble. Attends, je loot. Pas grimper d'ici. Ah, bordel. Attends, ils utilisent une espèce de système pour hisser des objets. Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer de l'autre côté. D'accord. Et yo Flozarko, bah non, aujourd'hui, comme tu le vois, le live commence à 15h. J'avais envie de faire un live un peu plus long sur Tomb Raider. Non, parce que comment dire, Tomb Raider, ça défouraille du pimpon, quoi. Hey, Hérocrane sur la chaîne, merci à toi. Bon, par contre, bah, vous m'en voudrez pas, mais je vais looter d'abord. Hein. Voilà. Ah non, parce que les mecs, vous avez du loot. Regarde, il y a du loot là.
Il y a du loot là-dedans. Oh, et des matériaux, c'est beau les matériaux, j'aime les matériaux. Oh, pièce de fusil à pompe, nice. Quoi d'autre? Ah bah attends, il y avait forcément quelques péons là-haut. Oh, attends. Il y a un truc là-dedans. Géocache ou une connerie comme ça. Non, c'est juste de l'XP. Voilà, bonjour messieurs. Voilà, très bien. Et je crois que je les ai tous eus. Alors, notre objectif est de l'autre côté. Ah mais attends, je suis désolé, dans la vie, il faut looter. Allez. Voilà. Oh, on a un défi débloqué. Peut-être par ici. Ah ça, oh, c'est bizarre, The Black Knight. Après, si c'est l'abonnement, ça s'est renouvelé tous les mois, mais si c'est juste le follow, c'est bizarre. Au pire, tu peux le refaire, hein. Et tu auras ton merci. Je suis pas sûr que c'est par là qu'il faille aller. Lol. Et yo, Garris. Ah mais oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que... Wow, attends, il y a un truc en bas. Il y a un truc en bas. Je veux le truc en bas. Encore ? Putain, mais on a combien des péons là-dedans ? Ok. Oh, attends, je peux récupérer... Mais je pouvais récupérer du loot ! Bon, peut-être plus tard. Par ici, tiens. Allons voir. Ah, là-bas. Ah bah oui, mais... Oh, attends. Voilà. Flozarco, le premier Metroid Prime sera fait cet été. Après, je sais pas quand je pourrai caser les deux suivants, mais c'est prévu, t'inquiète pas. Non. Encore un. Non, c'est bon. Eh, hey, vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont morts, on peut looter! Dans la vie, il y a des lootus. Non, ça sonne bizarre. Oh! Géocache, les bitches! Ah, bah évidemment, je suis tout à fait d'accord. Looter, c'est zir vichtich. Dans la vie, il faut looter. Oui? Monte pas ton pixel, garçon! Ah oui, on loot tous en cœur. Boum. Monte pas ton pixel, garçon. Non, toi tu vas mourir. LOL. Voilà, donne-moi ça. AM2R, effectivement, sur Home Station. Nice, mais du coup je me le prendrai pour tester. Comme ça, je pourrais le comparer à Samus Returns. Allez, montre-toi, ma grosse. Couché! Non, mais oh. Oui! Oh, punaise. Il y a un peu trop de monde, là. Les gars. Où est-ce qu'ils sont, les autres? Hey, surprise, motherfucker! On avait encore un, je crois, non? Non, c'est bon. Pro de sniper de pixels depuis 1932, lol. Couché! Ça prend de le respect, moi, bande de sales jeunes. Oh, attends. Je peux looter! Et yo, Benra! Oh! Montre pas ton pixel, Lara. Ah bah, si elle le montre, elle peut se prendre des coups, donc c'est vrai que ça vaut mieux qu'elle le montre pas. Mais en tout cas, merci pour ces bises, Brian. Oh, mais attends. Il y a une géocache ici, ça brille. Gadé, ça brille. Hop là. Alors, qu'est-ce que je fous ici, moi? Oh, attends, j'ai une idée. Non, ça marche pas. Peut-être que si j'y fous le feu, non? It was at this moment, in you. He fucked up. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la finirai, cette phrase de Black Knight. Oh, pièce de fusil, nice. Alors.
Y a vraiment pas moyen de faire quelque chose avec ces espèces de pimponneries là? Je sais même pas si je vais dans le bon sens. Oh, un point d'intérêt révélé, wait. Oh, il y a une relique pas très loin. Il y a une relique pas très loin. Et vous vous doutez bien qu'on va aller la récupérer. Attends. La relique est... Je suis dessus. Donc ça veut dire qu'elle est un niveau en dessous par rapport à nous. Elle devrait être là-dedans, je pense. Non? Aïe. Eh, je vous ai tous looté, au fait, les gars. Eh, toi, je t'ai pas looté. Ah, attends, elle est peut-être, elle est peut-être là-dedans. Hop. Non, relique. Les gars, vous avez pourvu une relique, des fois? T'as fait quoi? J'ai looté. Bah, et attends, et comme je dis, il faut looter. C'est important de looter. Je crois pas que ce soit ici en fait. Bon. Oh, attends. Loot. Oh, un nouveau point d'intérêt révélé, bah dis donc. Il y a carrément deux reliques dans le coin, dis donc. Bon, au pire, on va... Alors, pour qu'est-ce que tu fais avec la torche en main, toi? Voilà. Parce que, mais du coup, ce que je voulais voir, voilà, c'était ici. Parce que, ouais, j'étais arrivé là, moi. Au pire, on reviendra faire... Oh, mais attends. Ah, attends, on peut faire le tour, là, dis donc. Nouveau camp découvert, moulin à vent. Comment ça, y a un camp? Alors, s'il y a un camp ici, je le vois pas, hein. Mais le jeu me dit, y a un camp. Oh, attends, attends, il y avait un truc là. Boum, j'ai au cache. Oh, attends, 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 attends. J'allais dire, c'est un tombeau, ça. Moi, je veux aller faire le tombeau. Ok, il serait là-haut. T'as trouvé une... T'as essayé de trouver une ronde... Ah, c'est bizarre, Flozarco. Après, je sais pas trop comment fonctionnent tous les sites, j'étais juste passé celui qui me servait de référence. Il a peut-être changé sa politique au niveau des ROM, j'en sais rien. Je peux pas t'aider plus que ça, malheureusement. Ok, donc le tombeau serait là en bas. Ah, du coup, faut que je redescende, moi, avec ces conneries. Le camp Séosis, peut-être pas. Peut-être pas. Allez, on descend. Ouah, ouah, ouah. On descend pas comme ça, bordel! Du coup, par rapport au tombeau, il faut que j'aille... Ouais, bah, du coup, maintenant, j'ai perdu le point d'intérêt, c'est génial, c'est bien. Voilà, tombeau secret proche, donc c'est par ici. Ah, du coup, c'est par là. Attends, le tombeau, il est... Ouais, il est là en dessous. On descend. Donc, ce serait ici, le tombeau. Eh ben, allons-y. Attends, le feu de camp, il était... Ah, bah, il est là, le feu de camp. Ben voilà. Oh, en plus on a shit tonne de trucs déjà, 576 d'équipement. Alors j'avais une pièce de fusil à pompe. Ok, donc poignée en force 325. Est-ce que je peux maximiser les trucs? J'avais une pièce de fusil aussi. 350, j'ai un truc à 200. Pistolet, je suis à fond normalement. Arc aussi. Je pense que je vais booster le fusil à pompe. Allons voir. Le manchon de canon permettant d'augmenter les dégâts, augmentant la portée. Je vais prendre ça. Étranglement maximum. Il n'y a plus pas du tout de flop. Oui, c'est ça. Et niveau point de compétence maintenant. Est-ce que j'ai accès à la cartographie? Il me faut encore 4 compétences. Ok. Donc, j'ai le choix entre instinct animal, agilité d'escalade. Ça me plaît. L'agilité d'escalade, ça me plaît. Niveau chasseur, qu'est-ce qu'on a? Tueur accompli. Niveau zinou, toute discrétion. Oh, c'est pas mal ça. S'en sortir plus de munitions, c'est bien aussi. Et au niveau de la baston. Roublardise, donc le pocket sand. Expert en piolet. Esquive élimination. Ah, ça a l'air fun ça, je vais prendre. Appuyez sur mage pour esquiver, puis au signal, appuyez sur... Ok, très bien. Je prends. Esquive, émilination. Et oui, j'ai dit émélination. Allez, direction le
tombeau. Bah, je vais supposer que c'est là. Dis-moi que c'est un tombeau, monsieur le jeu, s'il te plaît. En tout cas, ça y ressemble. Ça pourrait être pire, ça pourrait être The Floor is Lara, hein. The Black Millie. Alors, est-ce que c'est un... Le jeu ne dit pas que c'est un tombeau. Merde. Est-ce qu'il y aura un prochain Let's Play sur un jeu de la Switch pour les semaines qui arrivent? Ben, on a Kirby Star Allies qui sort le 16 mars, donc tu peux t'attendre à un Let's Play là-dessus. Le tombeau, je l'ai loupé ou pas le tombeau? Maintenant, je sais pas. Oh, attends, il y a un truc qui brille, là. Boum, géocache. Attends, là, je ressors, mais le tombeau est peut-être un peu plus bas. Non? Non, ah non, non, le tombeau est bien par là. Attends, je regarde. Ouais, normalement, il est ici. Ou il est peut-être un peu plus bas, j'en sais rien. Ouais, eh ben écoute, merci d'être passé Roxor, et c'est vrai, très bon rappel, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on s'amuse bien. Vous y serez les bienvenus. Et si alors le lien ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous le dire, hein, Outlife et moi, on peut recréer un lien d'invite permanent et tout ce qui va avec. Y a pas de problème, il faut pas hésiter à demander. Ok. Ouais, ça ressemble à un tombeau, hein. Après, je sais pas. Ouais, puis en plus, ce sera le premier Let's Play Kirby que je fais sur la chaîne. Puis il a l'air sympa, ce jeu. Puis Kirby, c'est cool de base, quoi. Oh, loot. Attends, non, là, c'est probablement pour la sortie. Là, c'est probablement la sortie. Je vais plutôt continuer dans cette direction. Je vais dire, Lara, t'as le droit de te remettre droite, hein, pour avancer. Doucement. Ah, bah ça marche, Garis, merci d'être passé. J'espère que t'as passé un bon moment. Alors. Ah, est-ce que c'est ce qu'on est venu chercher? Oh, mais on dirait bien. Chambre du jugement. Une sorte d'atelier. Pas mal. On dirait que les Solari ont pris possession de tous. Oh, d'accord, je peux lancer ce truc. Ah, on va probablement s'en servir pour faire péter quelque chose. On va prendre ce truc là, de toute façon, j'ai pas de quoi faire des œuvres, mais c'est juste pour le point de sauvegarde. Alors. Notre objectif a l'air d'être là-haut, avec une demi-échelle. Et on a plein de trucs. Par déjà, est-ce que je peux grappiniser ce truc-là? Ok. Et ça fait tomber un truc. Ah, attends. Il y a peut-être une affaire de poids contre poids pour atteindre... Oui, pour atteindre cette surface d'escalade là-bas. Si je pose ça comme ça, je suppose que j'ai pas assez de hauteur, on est d'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres... Les gravures sont anciennes. Ah attends, je crois que je sais comment on va faire. Je vais poser ce truc là, est-ce que j'ai assez d'élan pour atteindre... Oui, j'ai assez d'élan pour atteindre, parfait, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Il s'adresse à qui, ton père du Zenkichi? Oh mais attends, attends, on peut faire péter un truc. Donne-moi ça. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Non, c'est pas ce que je voulais. Donne-moi ça, toi. Je me demande si c'est pas ça qu'il faut faire. Si c'est du feu, j'en sais rien. On peut tester. Doit me manquer un détail. Ah d'accord, il faut pas faire péter quelque chose, ok. Après l'autre solution que je verrais, ce serait faire une espèce de poids contre poids avec ce truc là. Mais j'ai... Ouais, genre en plaçant les barils comme ça.
Et pas sûr que les barils soient assez lourds pour faire contrepoids. Je sais pas au pire. C'est pas assez ouais, lourd. C'est bien ce qui me semblait, c'était ça. Il y a bien une histoire de poids contre poids. Il y a bien une histoire de poids contre poids. Faut juste les... C'est comme dirait Magic System, il faut savoir se positionner. Ok. Et maintenant, il faut juste aller chercher celui qui est là-haut. Je pense qu'à mon avis, c'est celui-là qui va nous permettre de tout faire basculer. Je peux pas. Alors, en même temps, je demande jamais le poids d'une femme parce qu'il risquera de mal le prendre. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment je récupère cette pimponnerie là-bas. Si je me mets... Oh, attends, je peux faire brûler ces trucs-là. On peut essayer de les faire brûler. Je veux dire, on peut rien faire brûler des trucs, ça peut être utile. Ok, attends, il y en a encore un. Oh, attends, qu'est-ce que c'était que ça? Non, c'était pas ça. Ouais, c'est cette plateforme. Les étagères n'ont pas l'air solides. Il suffirait de ouais, changer un peu pour qu'elle tombe. Si je fais ça. Ça, avec le piolet, j'avais compris, mais j'ai pas l'impression d'avoir la hauteur. Attends. Oh, mais attends. Non? Oh, mais oui. Non, trop bas. Il doit y avoir un truc qui m'échappe, non? Ça fait pas péter un truc, non. Il y a un truc que je dois pas voir, évidemment, c'est ça qui est important. La palissade marche dans les deux sens. Wait, what? Ah oui, ce truc là. Ce truc. Ah bah oui. Ah mais oui, évidemment. Non non, pose ça, pose ça. Si je... Ah, vas-y ça maman. La palissade marche dans les deux sens, ouais, mais du coup où ça? Je vois bien que c'est ce truc là que je dois récupérer, non? Ah non, évidemment. Attends, on va essayer un truc tout bête. Non, c'est pas ce que je veux. Non? T'as censé brûler ça pourtant, monsieur dame, hein. Hop, on prend ça. Je dois avouer que je sèche un petit peu là. C'est bon dire la palissade marche dans les deux sens. La palissade. Attends, ah, ici peut-être? Non. Ah. Là je peux faire ça. Je peux faire ça et laisser ces trucs là, mais bon. Attends. T'es sérieux? T'es sérieux, elle l'a pas planté? Bah j'ai testé Nox, j'ai testé. Ah bah voilà. Et ben voilà. C'est passé. Mais oui, mais évidemment. Ok, maintenant. Et maintenant. Ouais, bon, le chemin est tout tracé. Si je remets ça là-dessus. Je crois qu'un jour je dépasserai les 20 abonnés sur Twitch. Ça risque d'être compliqué, Brian. C'est, faut pas oublier que sur Twitch l'abonnement c'est payant. What?
Est-ce que de là, je devrais pouvoir être capable d'atteindre l'échelle normalement, non? Eh ben voilà! Nous y voilà! C'est l'heure de looter! Ça a été construit sur d'anciennes ruines. Ah mais moi je veux looter d'abord. Et tu prends plus qu'une caisse cette fois, Lara! Ah, et ben on y est! Non mais tu peux prendre tout ce qu'il y a avec, non? Modification d'armes disponible. Yeah!